Salut YouTube, nous voici sur une nouvelle vidéo de Eastward. On est encore à Eternia, par contre cette fois, fini la boucle, ou presque en tout cas, on va rentrer dans la tour éternelle grâce à la flamme du temps. Donc c'est parti, je vous mets en full immersion parce qu'il va y avoir des dialogues. C'est parti. Avouez être un homme bon, un homme mauvais, peu importe. Aujourd'hui, vous gisez sous terre. Votre nom vous survit, ou que le temps l'oublie ne changera rien pour vous. Adieu, professeur Salomon. Puissiez-vous désormais unir au passé. Vite, John. Maintenant qu'on a la flamme, on peut aller à la tour éternelle. Capitaine Pam, on a trouvé la flamme. Retournons à Eternia. Vous vous rappelez la première fois qu'on a pris la mer, Capitaine? Ah, la mer, mon mot préféré. Un peu que je me rappelle. Jamais je ne pourrai oublier ce moment si doux. On dirait qu'on est prêt à lever l'ancre alors. Tout le monde à bord, Moussaillon. Ferme bien la porte, espèce de vieille tête en l'air, si tu ne veux pas d'un coup de vent à l'arrache. Capitaine, on va dans la tour éternelle aujourd'hui. Du coup, on pourra vous aider à distribuer le courrier. C'est vrai ce mensonge? Allons bon. Vous avez dû mettre la main sur la flamme du temps alors. Oui, elle était sous la tombe de Salomon. Elle était de là depuis toujours. Le jour est donc arrivé. Ah, désolé, il fallait que ça sorte. Filez mes petits brigands. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, on sera là pour vous. Capitaine Pam, vous ne vous souvenez vraiment de rien? Ah, j'ai bien peur que ça ne me revienne pas, non? J'en ai oublié des choses au fil du temps. Mais il y en a certaines auxquelles le cœur s'accroche, qu'on le veuille ou non. C'est pas vrai, ça, ma petite amie? Ah, vous vous souvenez alors? Bon, on part pour la tour. Et on ramènera Alva et Isabelle, vous pouvez en être sûr. Allons sauver le monde, les amis. On va pas juste sauver Isabelle et Alva. On va mettre fin au miasme. En tout cas, j'y crois. On va peut-être se téléporter plutôt. On va au dépôt de train pour pouvoir se reposer vite fait. Here we go. Si je me souviens bien, Isabelle a allumé ses trucs avec la flamme. Mais comment s'y est-elle prise? Tu veux parler des cages du temps? Capitaine Pam? Vous êtes tous là? Vous n'avez pas oublié? L'oubli n'est pas si mal d'un côté, ça permet de se rappeler les choses une nouvelle fois. Ce bon vieux Thomas nous a tout raconté, ce qui s'est produit dans le passé et ce qui s'est produit hier.
Il nous a dit pour la flamme aussi. Vous savez comment je suis censé allumer ces trucs-là, alors? Comme Isabelle l'a fait? C'est Salomon qui a conçu tout ça. Tant que tu as la flamme du temps, tu devrais pouvoir ouvrir la porte. Il faut juste que tu te concentres sur la flamme entre tes mains. Que je me concentre sur la flamme entre mes mains? Essayons. Que je me concentre sur la flamme... Eh bien, c'était quelque chose. La porte devrait s'ouvrir maintenant, non? On dirait qu'il te manque encore une chose. Une chose? Tout juste, et pour payer peut-être bien que tes amis pourront te donner un coup de main avec ça. Ah, c'est ici que nous allons procéder à l'opération, c'est ça? Hé, hey, laisse-moi vous expliquer. Ce petit bout de ferraille a beaucoup trop d'énergie accumulée en lui. Si bien que rien de ce que j'ai au garage peut la stocker. Mais vous avez déjà pris notre argent. Hola, 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 on se calme, j'ai pas fini de parler. C'est précisément pour ça qu'on va procéder à l'opération ici. Devant cette tour? Ah, je vois. Nous pouvons nous servir de la porte de la tour éternelle pour absorber toute l'énergie du petit gars. Nous pourrions ainsi réaliser l'opération, mais aussi l'ouvrir la porte. Quel génie dégarni, tu es vraiment calé. Enfin, pas autant que moi quand même. Tu délires, t'aimerais bien être aussi malin que moi, oui. Et je suis pas dégarni, j'ai le front large, c'est tout. C'est génial, tu vas pouvoir terminer ton opération, Daniel. Si mes calculs sont bons, l'énergie en lui devrait tout juste suffire à ouvrir cette porte. Ce qui devrait parfaitement boucler l'opération. Mais inutile de palabrer, le mieux est encore de mettre ma théorie à l'épreuve. Viens donc, mon garçon, tous nos espoirs reposent sur tes épaules de fer. D'accord. Je dois faire que quoi, au juste? Tiens-toi là, ça devrait suffire. C'est tout? Enfin, elle s'ouvre. Ça veut dire que l'opération a même marché? On dirait bien que oui. Ton excès d'énergie a disparu. Pfiou! Comment te sens-tu, Daniel? Je sais pas trop. Fatigué, surtout. C'est le contre-coup de l'opération, sans doute. Ah! Nous allons nous retirer. Alors, mais je guetterai les nouvelles de votre succès avec impatience. Je crois que Daniel va bien. Il avait l'air très faible. C'est parti. D'accord. Mince. Ah.
Et qui laisse traîner tous ces vases là? C'est embêtant. Sélectionner l'étage, monter, c'est un ascenseur, d'accord. Évidemment, c'est une tour. Oh! C'est une blague. Quoique. Mince. Comment j'ai fait pour louper ce timing les... Qualité supérieure. Allez, les pièces de qualité supérieure avec 2800 les poissons. Mais il m'éclate. Il y a un moment donné, tu meurs ou pas? Ok, 3 balles. Il m'en reste 20 des balles, donc ça devrait aller. Eux, je peux les esquiver. J'essaie de voir un peu ce qu'il y a, d'accord. Déjà, il n'y a pas de serpent ici. Ah, j'aime bien ces phases-là. Là. Dommage, j'aurais pu faire un sans faute en vrai. Hein. Mais non!
Super. Ah, donc c'est bien ça. Ah, la clé. Je suis bête. J'ai failli pas voir. Ok, super. On a la clé. Alors, c'est un boss? Oh. Ah oui, d'accord, là je vais avoir du temps. Waouh. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mince, mais si j'oublie ça, c'est fini. Allez, dépêche, 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 dépêche. Juste. Ça s'est joué à moins d'une seconde, les gars. Cette mécanique du temps, elle est vraiment extraordinaire. Vraiment, vraiment bien. Moi, j'adore. Je suis conquis, les gars. Ah, mais je suis revenu ici. Par contre, les monstres, eux, ils sont pas revenus. Deuxième. Parti. Ah ouais, mais ils me suivent, carrément. C'est mauvais, non? Je pensais qu'il allait me tomber dessus. On va prendre un soin. Hein. Here we go. Alors, c'est quoi la suite?
Ah. Alors. Je monte là. J'éclate tout. Je prends le temps supplémentaire. Faut que j'arrive à... Comment je vais faire? Ah mais je suis bête, il y avait ça. Oh, genre... Il m'a éjecté. Non. Ça, c'est dur, hein. Donc, je prends... J'arrive là, je prends la munition. Je prends le temps. J'arrive, je tire. Allez. On peut prendre le temps. Le petit chemin du retour. C'était pas là qu'il fallait que j'aille. Si, ah si. Montez. Cette mission, non. Wouh. Même pas je me suis heal, les gars. Ça a failli tourner à la catastrophe, hein.
T'amendes toute ma vie normalement. Donc c'est bon, je suis tranquille. Aïe, mais pour... Ça m'énerve quand c'est pas... Ça devrait pas toucher... Quand ça touche le personnage secondaire, ça devrait pas attends, mettre de dégâts. Ça, c'est injuste. Comment on peut faire? Parce que là, je peux pas le tirer. Ou alors... Je me mets là. Ah, il y a des caisses, hein, donc on est obligé que... On est obligé d'avoir John. Il manque un élément à pousser. Ou à tirer. Que je me prends vraiment la tête. Aïe. Une bombe à retardement. Ça me sert à quoi de faire ça? Ah, j'ai compris, je crois. C'est parti. Thank you.
un boss. Mince, mais je fais mal. Super. Boss fight. J'ai pris beaucoup de dégâts au début. Mais ça s'est bien passé au final. Je me suis un peu concentré pour éviter de mourir bêtement. Ah, c'est la fameuse zone où je vais devoir tracer. Non mais en fait c'est juste une course en fait là. Il va falloir que je fasse des raccourcis. Je fasse ça. 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 Non. Oula. Mince. Faut que je le fasse venir en fait ici. Là, on essaie d'être rapide. J'ai pas assez fait de raccourcis, les gars. C'est là que j'aurais dû faire un raccourci. Pas assez d'énergie. Oh bah c'est foutu. Mais non! Là, c'est bon. Il y en a des objets animaux. On est quand même déjà au quatrième étage là. On va arriver au quatrième. Ça en fait des... Non, c'est pas là. Ah ouais. Ah, j'ai fait que la moitié de cet étage là.
Et je vais jamais arriver en fait. Ou alors faut que je sorte de la tour et que je revienne. Alors là, là il me faut ça. Ensuite on fait le jaune. Voilà, là on revient ici. Oh non, je l'ai loupé. Super. Ah, ils sont générés en munitions apparemment là. Hein. Oh, vas-y, mais ça me saoule. En plus, ils sont trop relous. On peut pas les arrêter dans leur course. Pire. Je vais tomber, hein. Il me faudrait un heal vraiment. Ah, il est là. Franchement, si maintenant les ennemis sont pas obligatoires, je pense que je vais les esquiver, hein, parce que c'est trop relou. Alors attendez, comment on fait déjà? Voilà, comme ça, s'il y a des ennemis, je vais pouvoir utiliser le pistolet, ça va être rapide. Mais non, mais il y a trop d'ennemis là. Yeah. Ça commence à devenir compliqué, hein, en termes de ressources, parce qu'il n'y a pas un seul shop. On peut pas s'acheter de la bouffe, on peut rien faire. Ah oui, d'accord. J'ai une bonne idée de ce que je dois faire. Donc, je dois amener ça là. Ensuite, je mets John dessus. Je passe ici. J'amène John.
John qui pose une bombe ici. Ah. Déjà je fais ça. Ensuite je. Hop. Tu viens là. Tu viens là. Tu poses une bombe. Ensuite, je prends le temps. On vient là. C'est mort. Mais non. Le temps, il est à l'arrêt là. Ah. Alors ça, les gars, j'ai plus de heal, hein. C'est-à-dire que je dois pas me faire toucher. C'est terrible. Parce qu'en plus, maintenant que j'y suis, je suis obligé de réussir. Hein. La question que je me pose, c'est comment est-ce que je pourrais faire pour peut-être éviter le combat? Ou casser les caisses? Ah mais oui, les caisses, c'est avec le... C'est avec la scie. C'est avec les scies. Faudrait que je le fasse à l'avance, en fait. Genre, faudrait que je fasse ça. Ensuite, John, ok. Faudrait que je le mette dessus, que je prenne... Évidemment, j'arrive pas à le retrouver. Donc, on fait ça. John, B, on prend, tac, L, on l'emmène ici. On fait taper, on casse les caisses. Là, on casse les caisses. On prend le temps. On avance, on avance, on avance, on prend le temps. Là, John, il arrive ici. On peut pas, donc... Ensuite on prend le temps, il tape, elle est là, vite, 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 vite. 1, 2, boum. Ok, super. Et j'ai du mal à me mettre dans la tête que la scie, elle pète les caisses aussi. Mais ça va, ça passe. Je sais pas il y a combien d'étages, mais si là c'est pas le dernier, je vois. Ça risque d'être compliqué quoi. Je l'ai même pas fait ça. Je vais monter, je vais voir si jamais. Si jamais il n'y a pas de shop. Cette puissance! Le cœur du champ temporel doit être juste devant nous. Une fois à l'intérieur, il ne sera plus possible de faire demi-tour. L'heure est enfin venue de mettre un terme à cette illusion. C'est encore Isabelle. On est sur la bonne piste, c'est sûr. Mais de quoi elle parle, à ton avis? Après être passé là-dedans, on ne peut pas retourner à Eternia? Ok. C'est bien ce que je pensais. Donc on va descendre, on va full descendre. Hein. On va aller acheter de la bouffe. Et se soigner. Ah, parce que là, le boss, si c'est le boss final, avec 4 HP sur 15 et rien pour me soigner. Laisse tomber, c'est mort de chez mort.
Je sais plus où il est le shop, les gars. Je ne sais plus où est le shop. Parce que je... Ah, la carte, déjà. Plaisir. C'est là, hein. C'est la baie du plaisir qu'il faut aller, non? Je sais plus où c'est. Ça me dégoûte. Ah, je peux acheter de quoi? Une petite vodka. Mais en vrai, je vais peut-être tout lui acheter, hein, comme ça je pourrais faire... Voilà. Donc je retourne au hangar et je me fais ma bouffe. Allez, c'est parti. Alors, on a de la viande. Et des tomates plus l'électrique. Bah là je suis bien avec ça. Plus 8 PV les gars. C'est dommage hein, j'y étais presque hein. Allez, un petit dernier pour la route. Et puis on... Et puis après on va faire la pause sur la VOD les gars. On fera la suite après. Oh mince, loupé. Allez, on se fait plaisir au pif, avec du caramagma. Super. Voilà, comme ça je suis assez serein. Oui, donc. Ça m'aimera tout de même. Sauvegarder et.
Nous faisons évidemment, comme je l'ai dit, la pause sur la VOD, les gars. On verra le boss final et la fin de l'histoire une prochaine fois. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Et normalement, on devrait quand même avoir facile 20 à 30 minutes de vidéo. Il me reste juste le boss final. Normalement, ça prend facile 20 à 30 minutes. Donc voilà. La suite dans la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut.